Alors, nous allons parler des changements des heures de magie en plus, dit aussi Extra Magic Hour, à partir du mois d'octobre 2017. Qu'est-ce que les heures de magie en plus? Il s'agit de 2 heures offertes entre 8h et 10h, soit par les passeports Fantasy, Dream, Magic Plus et Infinity, mais aussi pour les personnes résidant dans les hôtels Disney. Avec le changement, il ne sera possible de rentrer dans le Disneyland Park que de 9h à 10h, mais on pourra accéder au parc studio de 9h à 10h également. Pour revenir au changement, on notera la fermeture de Discoveryland durant les heures de magie en plus. Ainsi, il ne sera plus possible de faire Buzz, Orbitron ou encore Hyperspace Mountain. Dans le Disneyland Park, on pourra faire Peter Pan, le pavillon des princesses, les tasses, Dumbo, le carrousel et le château. Cependant, Peter Pan va être fermé pour rénovation du 25 septembre au 6 octobre. Il faut également noter qu'à partir de 9h30, Main Street est ouvert aux personnes ne possédant pas les passeports et ayant des billets normaux ou logeant dans des hôtels qui ne sont pas des hôtels Disney. Dans le parc studio, il sera possible de faire Ratatouille et Crush Coaster. Ainsi, si vous êtes de passage à Disney durant le mois de septembre et que vous logez dans les hôtels Disney, profitez-en ainsi pour faire les attractions de Discoveryland avant la fermeture, durant ces 2 heures de magie en plus. Voilà, j'espère que je vous en aurai un peu plus appris sur le changement des heures de magie en plus.